Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau message flash. On y va? Si vous pensez que vous êtes dans une situation limite, c'est cause perdue hein, pour certains. Non, bon, c'est pas vrai. On nous parle d'une période, on va dire, un peu complexe, peut-être au niveau émotionnel, où les énergies, elles sont un peu lourdes, où on rencontre, on va dire, peut-être des obstacles, des situations un peu complexes, mais oh non, personne n'a dit que tu étais perdu, personne n'a dit que tu étais. Non, on n'a pas dit ça. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, où c'est comme si on avait cette sensation, cette impression d'avoir perdu une personne. J'ai l'impression qu'elle ne reviendra pas ou que je ne la reverrai jamais ou qu'il ne se passera rien, tu vois, comme entre nous. Et j'ai l'impression, tu sais, ça tourne en rond parce que c'est une personne qu'on ne peut pas discuter avec. Et tu vois, c'est ce qui nous désespère un peu dans la situation, c'est que c'est une personne qui, elle est tellement dans l'ego, cette personne, que même quand on fait un pas vers elle, c'est une personne qui n'est pas en mesure, tu vois, comme d'écouter, qui est là en train de ruminer, tu vois, mais qui n'est pas forcément, on va dire, dans l'ouverture. Donc ça peut être aussi une personne pas très très douée, hein, tu vois, dans tout ce qui est communication et qui préfère éventuellement esquiver hein, toute situation qui pourrait éventuellement la mettre mal à l'aise, d'accord? Ouais. Et du coup, on voit que c'est une personne, tu vois, qui fait qu'on se trimballe un peu des énergies lourdes en ce moment. Du coup, on se dit, ouais, mais moi, je voulais mettre des choses en place, je sais. Mais on parle quand même, pour moi, d'une situation, tu vois, où on nous dit, malgré, j'ai envie de dire, ce que tu traverses en ce moment. Donc, la négativité, pour moi, c'est beaucoup les énergies lourdes, les émotions qui nous entravent et qui nous font nous sentir hyper mal, d'accord? Qui nous font tout remettre en question. C'est pas grave. Ici, on nous montre que tu vas basculer dans quelque chose de plus lumineux, d'accord? On passe de noir à jaune, abondance, d'accord? Donc, ça veut dire que tu vas te retrouver dans un cycle totalement différent. Pour certains, ici, on voit un peu que vous paniquez, que vous vous sentez mal parce que vous n'arrivez pas forcément à concevoir ou tout simplement à officialiser une relation avec une personne. Patience, d'accord? On parle réellement, pour moi, d'une situation où les envies sont réciproques. Donc, on a envie d'avancer dans la même direction. Donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Pour ceux qui se retrouvent, vous voyez, comme face à une personne éventuellement qui, voilà, on ne peut pas échanger, on ne peut pas discuter avec. C'est une personne qui peut avoir un comportement totalement immature. Là aussi, fais preuve de patience. Pour le moment, elle tourne le dos, elle fait genre comme si elle n'a pas besoin de toi, elle n'a pas envie d'être avec toi. Tu verras une fois que ça va commencer à la titiller de l'intérieur et qu'elle va commencer à tourner en rond, qu'elle viendra et qu'elle se tournera vers toi éventuellement pour voir si quelque chose est possible. Et on nous dit que c'est une personne qui arrivera remplie d'ambition. Donc ça veut dire une personne qui sera ultra motivée, je suis dans l'amour et toutes ces choses, et une personne qui sait éventuellement comment vous prendre au niveau émotionnel. Donc ça veut dire éventuellement que c'est une personne qui vous connaît bien. Et comme elle te connaît bien, elle va essayer, tu vois, comme de t'avoir à nouveau, mais pas forcément, tu vois, pour quelque chose, on va dire, de stable. Toujours une personne qui, dans son ego, dans sa façon d'être, c'est sa façon de fonctionner, c'est j'arrive en mode motivé, déter, mais en tout cas, uniquement pour te proposer quelque chose, on va dire, de purement éphémère ou de purement, on va dire, passionnel. Voilà, on va dire ça comme ça. Néanmoins. Reste calme quand même, c'est pas un souci. On voit ici que tu as une très belle énergie et que tu es une personne, tu vois, tu peux en attirer des tonnes et des masses. Sauf que des fois, tu n'as pas forcément hyper confiance en toi. Donc du coup, hein, quand une personne qui peut être réellement dans l'amour essaie de t'approcher, parfois, allez, toi tu aussi, tu vas glisser. On voit que tu as ce comportement au cas où, hein, tu vois, au cas où les personnes, elles voudraient éventuellement te mettre dans la sauce. T'inquiète pas. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains ou pour ceux qui se retrouvent hein, dans ce genre de situation où j'ai l'impression de repousser, tu vois, les personnes autour. T'inquiète pas. Ici, on a entendu ce que tu voulais. D'accord? On nous parle de ton ange gardien. Éventuellement, ton guide, tu peux l'appeler comme tu veux. Si c'est l'univers, c'est l'univers. Si c'est Dieu, c'est Dieu. On nous dit ici, on a bien entendu hein, ce que tu désirais obtenir. On a compris hein, dans quelle situation tu voulais te retrouver. Mais toi aussi, il faut que tu nous écoutes.
toi aussi, il faut que tu puisses comme montrer éventuellement ce petit côté où je sais très bien ce que je veux. Et Bernard qui me la met à l'envers, je vais laisser glisser. C'est pas forcément hyper évident pour ceux qui ont envie, tu vois, comme de partir vers un engagement éventuellement de concevoir hein, en ce moment. T'inquiète pas. Là aussi, on a entendu, fais preuve de patience. Laisse pas, tu vois, cette négativité, laisse pas, on va dire, ces énergies lourdes t'emporter dans une spirale qui risquerait tout simplement, tu vois, comme de te ralentir. Pour les autres, là, on va vous envoyer un cadeau. Ça peut être le bébé, pour certains, je vous dis ça comme ça. Ça peut être l'officialisation, pour d'autres. Et pour vous, là, qui pensez qu'on ne vous écoute pas et que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, on en a. Ici, mais on voit, tu seras perturbé. Hein? Parce que oui, nouveauté, je suis bien ancrée, je suis bien debout, j'ai compris, l'univers a entendu, on va m'envoyer quelqu'un de bien. Mais on a réellement cette impression, vous voyez, que quand la personne, elle arrive en face de vous, exactement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, regarde, j'ai des doutes sur sa sincérité. Pourtant, je vois que c'est une personne qui peut être dans l'amour, mais en même temps, quand elle arrive, moi, j'ai besoin de me recentrer sur autre chose, ce qui fait que je vais commencer à accumuler du retard ou tout simplement, tu vois, de la repousser sans forcément le réaliser, alors que c'est là. Alliance amoureuse sincère et épanouissante. Donc ça veut dire éventuellement que tu peux te retrouver face à une très belle personne dans pas longtemps et que ce sont tes doutes, tes hésitations. T'as peur éventuellement de recroiser une situation complexe ou un Bernard totalement mal élevé qui fait que tu risques de repousser, tu vois, éventuellement cette nouvelle personne parce que ben, trop de doutes concernant la sincérité et la loyauté de certaines personnes. Mais on voit ici, hein, même si au début, tu te sens mal, tu préfères te dire, ah, moi, je vais me concentrer sur les sous, je vais me concentrer sur le pro, je vais me concentrer sur la famille plutôt que de me concentrer sur la personne. Tu verras au fur et à mesure que cette personne, elle ne va pas te manger. Hein. Non, elle ne va pas te manger. Même les personnes autour de toi vont te le faire comprendre. Mais c'est quoi ton. Tu voulais, on te donne, tu veux plus. On a réellement cette impression, tu vois, que ça va réveiller quelque chose à l'intérieur de toi pour te montrer éventuellement que tu es sûr que Bernard, il n'est plus dans ton cœur ou tu es sûr que tu as totalement guéri parce qu'on sent qu'on peut avoir, tu vois, encore un peu de colère. Encore un peu d'amertume, vous voyez, à cause de Bernard, le mal élevé, mais on parle quand même, pour moi, de situations pour certains où ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vos peurs, vous arrivez, vous voyez, comme à les laisser de côté. On a réellement cette impression que vous allez réussir, vous voyez, comme à voir au-delà, hein, de vos peurs. Parce que pour moi, ce n'est pas au-delà des apparences, c'est au-delà de vos peurs. Vous verrez avec de l'observation qu'au final, qu'il n'y a que la peur qui peut éventuellement vous mettre dans des positions complexes. Parce que ici, pour certains, on voit que tellement on a été blessé, tellement on a été mal, on oublie parfois, tu vois, que ben, toutes ces blessures nous forcent, nous poussent, tu vois, comme à mettre des barrières entre nous et les autres, et que ce comportement-là, tu vois, ben, par moments, plus cette position, parce que pour moi, on ne fait pas exprès, tu vois, non, c'est pas un comportement, bon, si tu veux, mais on voit que ce n'est pas quelque chose, tu vois, qui vous suit toute une vie, d'accord? Pour les autres, faites preuve de patience, hein, même si vous avez pu croiser un Bernard très mal élevé, ça ne veut pas dire éventuellement que vous n'allez pas officialiser la relation dans laquelle vous êtes, d'accord? Ça, c'est le passé, d'accord? Bernard, il va débarquer pour reproposer de la passion, c'est toi qui vois si tu prends ou pas du tout. Mais sache qu'il y a quelque chose de bien mieux derrière et oui, vous allez concevoir cet enfant. Oui, vous allez pouvoir officialiser cette relation. Juste, je fais preuve de patience. J'avance. Bernard, le mal élevé, il est loin derrière moi. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.